Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo car là les gars, j'ai commandé un truc sur internet, j'ai commandé un squelette, regardez, je vais vous montrer. Donc voilà les gars, ça c'est le squelette et à ce qui paraît, il y a des moments où il peut être hanté. Donc parce que moi tout ça, ça me fait peur et regardez, il est effrayant, vraiment les gars, il est hyper effrayant. J'espère qu'il va pas se passer des trucs hard et tout. Bon. Sur le truc, c'était marqué qu'il fallait le poser comme ceci. Donc, assis devant la fenêtre. Et potentiellement, d'ici 5-10 minutes, il pourrait se passer des trucs un peu bizarres. Donc, c'est parti les gars. On va surveiller ça. Mais avant que la vidéo, elle commence, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Ça fait extrêmement plaisir pour le référencement. Et si vous voulez plus de vidéos horreur dans ce type-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc c'est parti là les gars, moi je vais m'en aller et j'ai laissé la caméra de surveillance tourner et c'est parti, moi je m'en vais. Hop. Allez. Ok les amis, donc là on se retrouve dans la salle de bain et là, parce que les gars je me suis caché, imaginez il y a un truc suspect ou quoi. Donc là, je suis en train de vérifier les caméras de surveillance, pour l'instant il n'y a rien de spécial. Ok ça, oula attends, ça commence là les gars, j'ai vu un cartable se jeter, des objets. Les gars, là, je reste focus sur la caméra. Ok. Parce que là, les gars, j'ai changé de caméra, là. Parce qu'en gros, si vous avez, je vous l'ai pas dit avant, mais j'ai mis deux caméras dans la pièce. Du coup... Ok, il y a le squelette, là, il bouge pas. Alors, bien sûr, les gars, je n'ai pas le son de la vidéo. En fait, le son, on peut que l'entendre à l'enregistrement. Ce qui est dommage. Les gars. Vous avez vu ce que j'ai vu là? Le squelette il s'est déplacé. What? Ok, on va aller voir. Attends, les gars, on est bien d'accord que le squelette il était posé ici. Ici. Il n'y est plus. Alors, je sais. Ouais, les gars, j'avais raison. Le cartable. Ça c'est mon ancien cartable et tous mes cahiers dedans en plus. Même le masque du lapin là-bas, il a été jeté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là 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 les amis. J'espère qu'on va pas me hanter encore pour la 500e fois. J'ai même plus à compter. Là chez. Vous avez entendu les gars? C'est quoi ça? Attends, la couverture tout à l'heure, les gars, elle y était pas. Elle était pas comme ça les gars avant. Elle était vraiment pas comme ça. Wesh. Une clé USB. C'est quoi ça?
Ok les gars, donc là j'ai cliqué sur la clé USB et là j'ai trouvé un truc. Quand je suis rentré dans la clé USB, j'ai cliqué sur le dossier Hack Fortnite, ne pas ouvrir. C'est marqué ne clique pas. Et ça a été créé les gars le 24/10/2024 à 14h44. Donc ça veut dire que ce fichier est potentiellement récent. On va ouvrir. Ok les gars, là j'ai grossi le texte. Ton numéro de téléphone. Wesh, il y a vraiment mon numéro de téléphone. Alors bien sûr pour vous c'est flouté hein. Ton code du hack c'est 180. Ok, ça sert à rien que je le dise. Rentre sur le logiciel. Quoi? Il y a vraiment. Wesh, 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 les gars, ces trois trucs, c'est flouté, hein. Wesh. Hack Fortnite. Board.exe. Allez, c'est parti. On tape. Allez, c'est parti. 1, 2, 3.